Bonjour à tous les amis, c'est Witch7760 pour une nouvelle vidéo. Je reviens avec un modèle donc c'est pas la dernière ligne des Fashionistas, c'est celle d'avant. C'est un modèle que j'avais hésité à acheter parce que à chaque fois que je la voyais en magasin, elle avait des défauts au niveau du visage. Donc c'est la numéro 72 qui s'appelle, je crois, Robe Salopette, pas terrible comme nom au niveau français. Je me souviens plus du nom donc aux États-Unis. Donc c'est cette gamme-ci où on avait la Teresa à couette. Et donc voilà un modèle donc grande, tall, le 72. Donc je fais une petite pause pour ouvrir la boîte afin qu'on la découvre ensemble. À tout de suite. Voici donc cette jolie poupée. Donc au début, quand j'avais vu ces photos sur internet, j'avais pas fait attention qu'elle avait des cheveux colorés. Et c'est seulement quand je l'ai découverte en boutique que j'avais vu cette particularité. Alors voilà, donc j'essaie avec un petit peu de lumière comme ceci. Donc plutôt de type hispanique, elle a un très joli visage, je trouve. Comme je vous disais, par contre, j'ai vu beaucoup de modèles avec des défauts. Celle-ci est voilà, la première pour laquelle j'ai vraiment craqué. Donc pour ceux qui me suivent sur ma page, c'était au Mattel Store. Donc en plus, il y avait des offres vraiment intéressantes pour les soldes. Pour ceux donc, qui ne sont pas au courant, vous pouvez aller sur ma page Facebook. Je mettrai le lien en commentaire. Alors, donc comme la plupart des modèles que j'achète et que j'affectionne, donc un maquillage assez léger. Vous voyez, au niveau des yeux, on n'a pas de fard même du tout à paupières, juste un petit trait de crayon, donc marron, des petits yeux noisettes, les sourcils, donc pareil, classique. La bouche légèrement entrouverte avec un petit gloss rose un peu fraise. Au niveau des accessoires, elle a donc une paire de lunettes donc comme ils font maintenant qui reflètent. Donc là on voit pas trop bien mais elles sont argentées. Voilà. Et donc, alors on va déjà commencer par la tenue. Donc la fameuse robe salopette en jean. Donc les poches, c'est juste des petites surpiqûres comme ceci en fil, pas des vraies poches. Une ouverture, alors hop, une ouverture tout du long comme ceci. Oh, j'ai oublié là un, j'enlèverai après parce que je voulais voir le petit t-shirt. Bon, si je vais quand même, hop, on fait comme ça. On découvre un petit peu ça ensemble. Donc j'ai oublié ce petit fil là qu'on voit le t-shirt en dessous. Ah, ça va, c'est pas mal. Bon, tant pis, hein. Hop, on la met toute nue. Donc voilà un petit t-shirt qui peut servir avec d'autres tenues ensuite. Donc un col large, des petites rayures blanches et saumon, et elle a les chaussures justement. Ah, le soleil tourne. Donc les chaussures qui sont assorties au niveau de la couleur, j'ai pas réussi à avoir. Alors, ça veut pas. Voilà. Donc je sais pas trop ce que c'est ce dessin là. Parce que je pensais que c'était un petit peu floral, mais non, c'est des formes géométriques. Donc demi-pied avec des hauts talons. Et une petite bride, et donc vous voyez assorti. On revient donc sur ses cheveux qui sont vraiment incroyables. Donc, ah, elle perd ses chaussures. Donc, des cheveux châtain foncé avec une belle masse de mèches. Ça, c'est, on va dire que c'est plutôt menthe, diabolomante un petit peu. On dirait un peu une pub pour les colorations L'Oréal là qu'ils font en ce moment, donc c'est plutôt sympa. Et elle a une belle, vraiment une belle qualité de cheveux, donc c'est vraiment une belle surprise. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce modèle, même si c'était un ancien modèle.
Un modèle, je trouve, qui va bien justement avec cette saison estivale. J'espère que vous passez de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Ciao!